peut remarquer notre désapprobation contre les antivaleurs dans notre société, notamment le tribalisme viral et l'intivisme de toute nature. Nathalie Locollet et Zéro Bêtise organisent le dimanche 2 juillet 2023 la marche dénommée le 2 juillet Bisotembe na marche. Voilà, Tozo Marché, les autres dimanches, c'est vraiment une marche multicolore. Multicolore, les autres liés à la bêtise où ils ont rangé la société Nabiso. Les autres, c'est pour cela qu'on a associé toutes les personnes éprises de bon sens. C'est vrai que je suis l'initiateur, mais je suis comme je l'ai initié. Et puis nous allons faire route ensemble. Pour nous faire passer un message, comme disait un professeur, la prise de conscience c'est déjà un début de solution. Donc, comme il y a un début de solution, pour que nous comprenions que nous sommes tous les mêmes.
Donc, bah, Mr. Bazar, bah, vous comprendre que non, il faut tout le temps avoir un aliment, comme disaient nos parents. Tout le temps avoir un aliment et au salabiso, grand bien. Et bah, nous avons surtout à côté du Kambango. Et ça, c'est un vrai bien. Et merci donc à nos partenaires, Nyon surtout. Puis Simbote donc Naorti Duntadila. Merci d'avoir cru à cet événement. Merci donc on a KBC, merci pour l'ambulancier. On a accompagné Bisson en cas de pépin. KBC, Rebika, Tolele, n'est-ce pas bien? Zéro bêtise, price, c'est Zoya. Donc on a fait prix, on a bateau, on a tout un aliment. Dans le bon sens. Ça sera vers le mois de décembre. Vous allez savoir. Donc, bino moro boyebi, tu vas communiquer ka awa, pour te expliquer bino, ndeni to bando décorer bato. Parce qu'il faut motiver les gens. Il y a des gens, na kata marama ya bato tambola bien te, il y a des gens qui se conduisent comme il se doit. Et ceux-là qui se méconduisent, en tout cas, on va les fatiguer. To lembate to fatiguer bango. Voilà, c'est un peu ça. To nous allons affronter avenue des ambassadeurs pour que les ambassadeurs voient que non, au Congo, il y a des gens qui voit les choses de manière autre que tout le monde. C'est un peu ça, donc voilà. On continue la marche. Tout ça est déjà moitié à terrain. Et dès que vous voyez, je crois que ainsi désaté, avec l'appui de Dieu, tout est possible. En tout cas, l'initiative via Yemoko, Yanati Lokole, et Zaponako prône Bavalère. Donc Tozawana pour nous soutenir marche en haut. Donc organisation vraiment en tout cas impeccable. Tous ça va marcher, misuba na sima, misuba za liboso. Donc tout se passe correctement, tout a été vraiment bien organisé en complicité avec l'entreprise KBC. Donc c'est à dire que tout est vraiment très bien organisé. Donc il n'y a pas de batubakoi, tout ça, nyon soto ezole ka kitoko. Donc voilà, eloko na oloba ngwana, mais je pense que et ça, initiative moko ya soutenir, ya protéger, puis ya ko soutenir en haut davantage, parce que ils ont prôné bah valeur, ils ont prôné bah nous surtout bah anti valeur, nous surtout tout dégager, Congo ça bossenga unité, ya mou tribaliste et oboi, donc voilà. Bon, zéro bêtise, c'est d'abord pour un bon changement de mentalité, parce que nous ne voulons plus que notre pays soit ce qu'il était depuis. On vient de passer à la Gombe, devant les grands immeubles, les immondices, ce sont des choses que nous refusons, nous ne voulons pas. Zéro bêtise, c'est dans tous les domaines de la vie.
zéro bêtise, tel que chez moi derrière là-bas, j'ai dit Toboi Kofinga, Toboi Moïbi, Toboi. Donc, nous sommes en train de combattre sur les antivalaires. C'est comme ça que M. Lokole Nati avait pris cette initiative. Nous sommes en train de l'accompagner comme ses collaborateurs. Donc, nous voulons que les Congolais ou les Kinois en général puissent changer sa mentalité, voir de bon côté les insultes, on les refuse, des mots teintés de bêtises, comme il aime les dire, nous les évitons. Alors, voilà. Tribalisme, toboy nini enlèvement, toboy salité, tout ça en bon moko, toboy qui moyibi, toboy, bon à l'état botika, toboy, toboy à ma cambana, tout ça en bon moko, tout ça bon moyen, toboy tribalisme, donc tolingana. Il faut poser la question à l'initiateur, à Lokole. Mais moi, je sais que c'est juste pour essayer un peu d'éveiller les consciences des Congolais, parce qu'on a marqué beaucoup d'antivaleurs qui ont pris la place dans la vie des Congolais, des Kinois en particulier. Alors, Nati Lokole avait estimé qu'il était bon de pouvoir éveiller les consciences. Hein, et éveiller les consciences. Réagir contre cette façon de vivre qui n'est pas bonne, n'est-ce pas? Il y a les pancartes qui annoncent là-bas Toboi Koluna, Toboi incivisme, Namboka Nabiso, Matiti par-ci par-là, Batubaosu Banabalabala, Mitukele Gaosu Banabalabala, mauvais comportement, injures à tout moment. Dans la vie, comment passer en société, la Kine Awa, Pena Congo, Yamou Ninga, la Nati Lokole a estimé qu'il était bon de pouvoir éveiller les consciences des Congolais
des Quinois. Très bonne initiative pour notre ami collègue Nati Lokolé, avec qui nous avons commencé depuis très très longtemps à la radio Raga, pour les gens qui connaissent. Et puis nous sommes venus à la télé, nous étions à Raga Télévision ainsi que Raga Plus. Et aujourd'hui, mon ami Nati Lokolé a pris cette initiative, très bonne initiative, comme je venais de dire tout à l'heure, avec zéro bêtise. C'est comme ça que nous avons pu participer à cette marche qui a débuté depuis Kitamo Magasin. Nous avons fait les tours des quelques avenues de la Gombe. Nous étions montés vers la place des Évolués pour chuter ici, dans la commune de la Gombe, bien sûr, chez les premier bourgmestre de la commune de la Gombe, je cite M. Kaloumé, donc c'est la place royale, les gens connaissent. Et nous sommes là pour changer certaines choses, les habitudes, les mauvaises habitudes, il faut le dire. J'ai une bouteille en plastique avec moi, mais je ne peux pas jeter ça en cours de route, même s'il n'y a pas de poubelle, je garde. Je garde ça même à bord de ma voiture pour aller jeter là où il faut. Alors, zéro bêtise. Entre en ligne de compte pour toutes les activités que nous menons quotidiennement. Dans la politique, zéro bêtise. Entre dans la musique, zéro bêtise. Dans la vie quotidienne, zéro bêtise. Félicitations à Nati Lokolé et félicitations aussi à la télévision Possible qui nous reçoit. Merci. Je suis Timothée Lenoir-Efika, analyste politique, leader d'opinion et un grand esprit. Un grand penseur pour la République démocratique du Congo. Nati Lokolé, c'est un frère, c'est un ami, oui, on a grandi ensemble. Et par rapport à l'initiative, il y a zéro bêtise. Je ne pouvais qu'adhérer par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que nous voulons le sérieux dans l'aspect Nyoso. Nous voulons le sérieux entre amis, afin que le respect soit mutuel. Nous voulons le sérieux dans la gestion. Nous voulons le sérieux dans le fonctionnement. Alors, zéro bêtise. Zéro bêtise, ça nous permet à tous. Il y a raison qu'on a droit chemin et voilà. J'ai accepté l'invitation, j'ai fait du footing avec les amis. C'est un concept que je demande à tous les amis, ceux qui se disent véritablement quinois, ceux qui se disent surtout aux besoins bien élevés, bien éduqués, de venir adhérer dans cette grande vision zéro bêtise. L'initiative est bonne, accompagnant Nati Lokolé. Je suis membre, j'en suis fier d'être membre et j'y serai dans le cadre de zéro bêtise parce qu'on a besoin que zéro bêtise dans la République démocratique du Congo pour que les choses soient boostées. Voilà. Je voulais d'abord vous remercier tous. Je connais à peu près 90% de Bazawa et de manière, je dirais, spontanée. Les gens ont. Les gens ont battu Moussous par adhérer à un concept. Et ça m'a vraiment touché, je le dis honnêtement. J'ai vite compris que le concept zéro bêtise, ils ont vraiment balèze. Maintenant, Montessi Gazali a commission Oyaye, ça c'est une bonne chose. Je l'ai dit, n'a pas tenu surtout, on va adhérer à un concept Oyo. Je suis pas de tout n'a pas. À un moment donné, vous manquez des réponses. Mais rien que l'intitulé, ça accuse les concepts comme il se doit. Goûte Kango, Bokomi Sango Yabino. Parce que Bissonio Sobisika Tozali, on se rend compte que Kongo est autant la nègre et tous souhaité. Et tout le monde a un discours à fustiger, mais il y a un comportement à tout un chacun de nous, tout le monde a pensé que tous autant la bien. Alors tous la nègre, tout le monde a qui va dans le Moyen-Âge. Il y avait une catégorie de gens qu'on avait appelés les nobles. Il y avait certaines personnes qu'on appelait aussi les bourgeois et à qui on attribuait même les sangs. Les acquis par rapport à comportement. Biso sans prétention aucune. Pour le but que tu dis qui bêtise, mais tous au bout pour que ça cesse. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je serais très ingrat si je ne me permettais pas de dire merci à ma croyance dans le Bosso. Merci dans les Quinois. Asbel les Quinois, merci. Merci pour Vanessa. Merci à un jeune qui a fait des sortes que nous ayons des t-shirts. Il a son entreprise, c'est Picoul, à qui j'ai dit merci. En tout cas, si vous ne pouvez pas côté, le faire ici à Kinshasa. Et c'est lui aussi qui nous a fait les panneaux. On a célibataire.
Merci la vraie Nana Sandoka, vraiment la Suisse. Vous m'aimez beaucoup. Tout ça, on a si agité parce qu'on n'a pas encore de moyens. De temps en temps, tout le temps, la siège Oyo, Massarangaï et Topengé, il y a personne qui sera en face, il y a l'ambassade à Cameroun, mais il faut changer. Et ce qui est bien, maintenant, on va s'identifier par rapport à T-shirt T. Nous allons faire des cartes. Il y a un monde. En tout cas, soyez rassurés, il n'y a pas des idées politiques derrière ma tête. Demain ou après-demain, ça peut changer, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. On veut d'abord former une famille, parce qu'on l'est déjà, encore dans notre doutée. Et il y a une carte de remerciement. Je vois des amis, il y a quand même un ami qui a été élevé au rang des ministres provincial. Et il a jugé bon de marcher avec nous. J'aimerais quand même tout bêter ma voix. Merci à Pierre Kabila. Merci à Pierre Kabila. Merci. On peut donner ce bateau de la bande. On peut donner ce bateau de la bande. Mais il y a Zana Bissou. Mais il y a des sauvés dans Bossani. En tout cas, bon amour, Ignosso. Merci. Et puis, on a un petit noyau. Il y a pas trop de travail à Bango. Merci d'abord à Semena, Sobomon et Bakiti Boleza, Yanda Kote, et Outili Banga. Merci à Mamina, merci à Bijou, merci à Arlette Mbouy qui s'est resté, merci à Sheda. Bon, nous connaissons la liste de la bourse à la Bakumbo. Mais merci à Batouni, on se tue. La Lina Soukissa. Le noyau est un peu plus grand. Il y a des gens qui sont solos. Merci à Pati Saraza. Merci à Jérémy, oubliez à l'âme de la bouche. Ok, merci à Titi Tukuzu. Il est aux armes de la bande pour les plus talents. Vous allez payer, s'il vous plaît. C'est l'équipe d'un ami. Il s'appelle Christian Kebana. Il est sur 20 secouristes pour les comptes de KB. C'est tout petit. Il est où Christian Kebana? Aza pas vous là, mais à côté de quoi pour y avoir secouristes. Merci. Merci.